Cet endroit n'est pas très bien gardé. Ils ne pensaient pas que nous trouverions. Mon ordinateur de visée va se fier à vos balises. Placez-les à des endroits clés de la structure, puis fuyez vite. Je vais affronter les lasers. Si tout se passe comme prévu, nous aurons détruit leur défense avant qu'ils sachent qu'ils sont attaqués. Bien, Jadon. Commencez par le générateur du bouclier. Sinon, la mission risque d'être écourtée. Ah que coucou bande de moches, c'est Arka pour un nouvel épisode sur Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Donc suite à l'épisode précédent qui avait été un véritable désastre, hein, une catastrophe sans nom, eh bien on est reparti, je ne perds pas espoir, je continue la session et je pense que cette fois-ci là on est bon, on est parti. Allez. Alors par ici, ça commence direct avec des ennemis. Ah bah tiens. Mauvaise langue, celui-là, ils l'ont. C'est vrai que j'avais oublié ces commandos. Ils sont assez relous. Des tailles impériaux. Et enfin des chasseurs tailles. Et puis les tailles qui sont ici, là. C'est dommage, dans celui-là, on peut pas en conduire, on n'a pas l'opportunité. Par contre, comme je vous le disais, il y a 2-3 épisodes de cela. Si vous désirez me voir faire même rien que des parties rapides sur Star Wars Battlefront 2, où est-ce qu'on peut avoir des batailles spatiales, bah écoutez, faites-le savoir en commentaire. Ou alors via la page Facebook, hein, je vous rappelle. Parce que c'est vraiment plus intuitif pour nous et plus facile de répondre à toutes vos questions via Facebook, via YouTube. Voilà. Donc là. On est parti, je vais remplir mes armes. Profiter pour prendre ça. Bon, je pense que je suis bon. Alors, faut que j'aille. Je pense que je dois repasser par en haut. Donc là, faut que je. Ah oui, punaise, j'avais oublié, c'est. Ah punaise, ça marche pas. Mais non, t'es sérieux. Ah ça marche pas non plus, mais... Crève. Bah c'est pas possible. Hein. Tu vas te détruire. Hein. Hop là, c'est bon. J'ai eu du mal, hein. Mais bon, c'était pour vous montrer un peu les armes, c'est vrai que vous les voyez pas souvent, donc je me suis dit, bon, allez. Ouais, c'est par là. Ah oh, non, ceux-là, je les aime pas. Ah oui. Mais par contre, ça va être le moment de vous montrer le pouvoir poigne. Ah, putain, ça marche pas bien avec eux. Allez. C'est pas possible. Voilà. Ça marche pas bien avec eux. Quelle arnaque. Et tu vas crever, oui. Oh là là, ça va me saouler. Voilà. Bon, avec eux, ça va pas bien marcher. Ça aurait été trop facile sinon. Alors, il n'y a pas une balise à lâcher par ici, m'a dit. C'est pas possible. Ah, c'est peut-être sur l'autre bâtiment alors. Ah, c'est sur celui d'en face à tous les coups. La première à lâcher. Ouais, c'est ça. Fail, fail, fail. Bon, c'est pas grave. Ce sera bon pour la prochaine fois, du coup. Celui d'en face, par où est-ce qu'on peut y accéder? C'est ouvert, maintenant c'est fermé là. Je vais continuer à faire des fails en puissance ou quoi?
Alors, à moins qu'on ne l'offre. Peut-être qu'il faut passer tout le monde comme ça, du coup. Ouais, si c'était ça. Ok, excusez-moi, je suis un peu rouillé, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette mission. Et là, voilà, là on va pouvoir passer la balise. Sauvez-vous, Jaden, j'arrive. Yep. On va bien regarder où est-ce qu'il doit la poser, parce qu'après sinon c'est la guerre. Ils n'auront plus accès aux renforts aériens. Là ça va, jusque là j'ai suivi. On va garder poigne. Parce qu'en plus ici on va pouvoir les faire voler, mais tout le temps quoi. Tous les petits mecs qui vont se présenter, on va les foutre dans le vide. On prendra même pas le temps de les tuer. Enfin pas les tuer au sabre quoi. Ah, voilà, maintenant il faut. Ça réduira leur résistance. Je le savais. Bon, ça. Ce qui est bien, c'est comment on a plus le mec qui est censé nous attaquer et nous agresser à peine la cinématique finie. Donc en fait, c'était une bonne idée. Eh oui, je l'avais prémédité. C'est trop facile. C'est ce que je me disais aussi. Sauf que tout à l'heure, j'ai galéré face à un mec qui volait et que je suis mort 10 fois ou 15 fois, je sais pas, dans la mission précédente. Ensuite, prenez les réseaux de communication afin qu'ils ne puissent pas appeler de l'aide. Ok. Ah, il va falloir se taper un grand tour. Hein. Jusque là-bas. Hop là. Oh, checkpoint, ça va. Par là, on peut passer. Je pense que ça ira plus vite. Attends. Non mais. Ah. Alors là. Ah mince. Ce qui est rigolo, c'est que. Voilà, là, du coup, il se rend parce qu'il a plus d'armes. En fait, quand ils ont pas d'armes, ils vont pas avoir le réflexe dans ce jeu de ramasser les autres. Mais rends-toi. Bon. Du coup, tu vas mourir comme ça. C'est la force. Voilà, comme vous voyez, c'est assez kiffant. Réseau de communication, on est là. Il va falloir que j'atteigne par l'autre bâtiment. Ou est-ce qu'on pourra rentrer comme ça? Ouf. Ah, à tous les coups, faut rentrer par la plateforme en haut. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Alors, plus tard, dans une prochaine session, je le couplerai. Ah, là par contre je peux le coupler avec ça, avec le lancer de sabre. Plus tard je le couplerai avec la magie, mais là comme je vous l'avais dit, j'ai un petit problème. Je me suis pété un doigt et du coup je galère à changer les pouvoirs, etc. Du coup, oh non, comme par hasard. Du coup je vais jouer ça simplement. Hein. Je vais juste utiliser le pouvoir poigne parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça veut dire toi tu vas mourir étranglé. Ah, il avait du souffle là. Hein. Je suis assez impressionné. J'aurais peut-être dû te laisser en vie même. T'aurais survécu un peu plus longtemps, peut-être que. Non, en fait, je t'aurais lâché dans le vide, mais bon. J'adore cette mission parce qu'il y a des troupes partout et du coup, on peut passer notre temps à lâcher les Stormtroopers. Moi, il faut celui qui monte, celui qui descend. J'aurai ça plus tard. Allez. Ah ouais, carrément. C'était pas une bonne idée, mec. Attends. Tiens. Vous voyez, comme je viens de le faire, en fait, et bien si on veut... Oh putain, je lui ai démonté la nuque, là, le pauvre. Il a la tête, on sait pas trop comment il a réussi à faire ça. Oula. Comme vous voyez, on peut donc s'amuser à les... S'amuser, on va dire ça, entre guillemets, quoi, c'est pas... Non. Oh punaise. J'ai fait un fail et j'ai failli me mocher, encore une fois. Mais je voulais vous dire qu'on peut même tuer les personnes donc en les assommant contre des murs. Enfin les assommant, ouais. En les frappant violemment contre des murs. Sauvegarde du coup avant que je meure. Ah, je pensais que ça... En fait oui, on peut juste les faire lâcher. Leur faire lâcher leur arme, après ils sont inoffensifs. Hein. Les clones, décidément, c'est tranquille.
Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ici? Non, là c'est pété. Ouais. Bon, j'imagine qu'il va falloir... Allez, on reprend tout d'ailleurs. J'imagine qu'il va falloir passer par le trou ici. Alors... Ou comme dirait Fanta, je me contente de viser dans le trou. Allez, c'est parti alors. Ouh là là, j'ai failli me casser la figure. Me casser la gorge. Ah non, on est pas sur la bonne tour. C'est sur laquelle il faut que j'aille déjà. Où est la tour des communications? Là voilà. Pourquoi j'ai voulu monter à tout prix moi? Ouais. Je sais pas s'il existe un moyen pour le faire sans se faire mal ce truc. Je suis toujours passé par l'extérieur. Oh non, pas lui. Oh fuck it. Je lance l'animation, je m'en fous. Il va mourir à coup de X-Wing. Il est mort ou pas? Ok. Eh non, dommage. T'es fini, non? Non, tu vas revenir. Là, je vais. Allez, viens là, vas-y. C'est un sac à PV, toi. Putain, c'est pas possible. Obéis-moi. Obéis-moi, te dis-je. Mais où est-ce qu'il est ce con? Tous les coups il est en dessous là. Bon pour l'instant il nous embête pas. Donc on va continuer. On prend même pas, on peut... Voilà. On lui prête même pas attention, voilà, ça lui apprendra. Non là je suis descendu mais moi faut que j'aille... Autre part, tiens voilà. Je vais désintégrer, tu sais quoi. Parce que tout me saoule. Ah putain, je peux même pas le désintégrer, t'es sérieux? Allez. Il prend ses dégâts ou pas? Ah, voilà. C'est pas trop tôt. Ça, c'est une bonne chose de faite. Alors, c'est sur laquelle qu'il faut... C'est en bas, là-bas. Ouais, le mieux, c'est que je rentre dans ce bâtiment. Parce que sinon, je vais me casser la gros. Et c'est pas très bon. Tiens, un point de vie. C'est le point de vie qui peut nous sauver la vie, là. Le jeu quoi. Oh, il s'est pris un headshot de lui-même. C'est quoi? Tiens, je t'apprendrai. Merde. Donc on a dit on voulait descendre dans ce bâtiment là, mais j'ai raté la porte à tous les coups. Non, ça va. Cette fois-ci, non, on veut descendre. Oh, où est-ce qu'il est? Oh, il doit être en bas. Bah il est où? Ah là. Est-ce que... Ah ah, mort électrocuté. Tiens toi. Ah, et toi? Tiens, pour une fois, on va utiliser celui-là. Ah. Je nettoie, moi. Tu crois quoi? Allez, le pouvoir poigne. Et on continue tranquillement. Oui, donc certes, je moche un peu trop les ennemis. Hein, parce que je pourrais leur faire des morts un peu plus classe que ça. Mais je trouve que ils ne le méritent pas. Et j'espère que cette fois-ci je peux me faire mocher par l'ascenseur là, comme la dernière fois. Ascenseur diabolique. Est-ce que là il y a quelque chose d'autre à prendre ou pas? Parce que si je peux, quitte à faire quelques zones secrètes, ça pourrait être cool. Allez, rentre. Et une dernière.
N'empêche, il m'a pas l'air très cool, hein, l'environnement. Ah ouais. Elle m'a pas l'air très cool comme planète. Hein. Moi, si je dois choisir, c'est pas là que je ferai mes vacances. Hein. Vu l'univers, je sais pas ce qu'il y a en bas, en dessous, mais ça m'a l'air plutôt très très pollué quand même. Ah, à moins que ce soit. Non. Non, non, la cité des nuages, je sais pas. C'est plus classe comme environnement. Allez, vas-y. Tue-le. Ah non, pas deux. C'est bon. Ouf. Ah, j'ai cru que j'allais mourir parce que alors deux. Donc il faut que je remonte là-haut. Et bah c'est reparti. Je vais reprendre la poigne parce qu'à tous les coups. Bah mince. Il va y avoir de nouveau des ennemis. Et on va les mocher copieusement. Enfin là pour l'instant c'est moi qui me fais mocher apparemment. En fait c'est le réacteur de toute la cité, ça c'est ce qui le maintient sûrement en lévitation, c'est assez hallucinant. Je crois que c'est tout en haut qu'il faut aller, mais je suis pas sûr. Ah, à moins que. Bon, je sais pas, on va essayer. J'ai pas très bien regardé en fait où il fallait aller. Et du coup, je vais me perdre comme un gros moche que je suis. Pas grave, on passe par là, par l'extérieur. Rien à péter, rien à péter. Allez hop là. Pas là. Là on va faire. Centre de commandement. C'est ça le centre de commandement. J'ai envie de tester un truc. Je le sens mal, mais on va le tester quand même. Je pense que ça se tente. Ouais, là pour l'instant c'est bon. Voilà, on va la jouer safe. Ouf. Non, aïe. Bon, ça va. Ah, en fait, ça se tentait, c'est bon. Soit je peux passer. Apparemment, je peux passer par là. Ah, mais non, parce après, si c'est. Non, 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 non. C'est là d'où je viens. Donc, on va faire le tour. Alors, peut-être que du coup, sur cette map, il y aura des zones que. Non, parce que là, j'ai visité ça, j'en viens. Peut-être que je suis pas allé. Là-bas, par exemple, je sais pas si je suis allé, je vais faire un tour. Vu que l'épisode aura été rapide. Si on peut trouver des gens à tuer, hein, tant qu'à faire. Et faites pas genre, vous n'avez pas envie d'en voir mourir, parce que c'est le cas. Et je sais que c'est aussi le cas, je sais que vous voulez aussi me voir mourir d'ailleurs. En atroce souffrance en tombant dans un trou, mais ce ne sera pas pour cet épisode. Enfin, j'espère en tout cas. C'est là où je vais dire ça, et puis genre dans 30 secondes, je vais me casser la gueule comme une vieille merde. En mode moche. Ah, j'ai même prise de risque. Prise de risque, prise de risque. Non, mais non, ça va pas sauter, ça va pas sauter. Non. Mais non. Oh là là, mais non. Je vous jure, ça va pas sauter. Quelle arnaque. Mais c'est pas possible. Mais la grosse arnaque. Oh punaise, je voulais faire une petite action, genre je saute au-dessus du vide. Bon bah du coup, vous m'aurez vu mourir hein, dans cet épisode. Je voulais vous faire plaisir en fait, c'est pour ça, j'ai fait exprès, bon. Oh, mais non. Mais quelle arnaque. J'ai appuyé sur... Ah, je sais pourquoi. Punaise. C'est parce qu'en fait, vu que je joue sur un PC portable, du coup je vais refaire l'action, je m'en bats les couilles, je recommence. Cette fois-ci, je vais y arriver. Voilà, c'est ça que je voulais faire, tout simplement. Vu que je joue sur PC portable, il y a mon numpad. Il faut que je le... Bon, là, c'était moi aussi. Fallait que je le désactive parce qu'en fait, le fait de... Je l'ai touché avec mon pouce et du coup, ça a pris en compte le numpad et pas ma... Et pas mon saut. Bon, j'ai arrêté de faire mon kéké maintenant, hein, ça va bien, je suis assez mort. Je crois que j'ai atteint mon quota de mort pour toute ma session, là, rien qu'avec la mission précédente, je l'avais fait, mais bon. Et du coup, voilà, maintenant que je l'ai désactivé, au moins je peux sauter sans aucun problème. Par contre, la mort qui vient de se passer, là, je vous l'accorde, c'est moi qui ai été mauvais, hein, tout simplement. Alors, faut qu'on aille à celui-là, donc il faut que je passe par là-bas, j'aurais pas eu à faire tout le tour. Punaise, c'est pas possible. L'épisode qui dure trop longtemps du coup.
Bon, allez, on va être tranquille là. Je prends la force. Oh, puis non, je prends la vitesse pour finir, vu que de toute façon, on pourra pas les mettre dehors. T'es sérieux? Oh, faut que je passe par où? Alors, à moins qu'il fallait vraiment que je passe par le. Ouais, peut-être que c'était ça en fait. Hein. Ah mince. Mince, mince, en fait j'avais bon au début. Il fallait vraiment que je passe par le tuyau du coup. Bon, bah c'est reparti. Hein, parce que là, il n'y a pas d'autres connexions. J'ai l'impression qu'il y a d'autres connexions. Bon, on va passer par le tuyau. Ouais, c'est parti. Ah, je vais péter des réacteurs comme ça, moi. Oh là là là, j'avais bon au début, quoi. J'ai fait tout ça pour rien. Bon, suivant si l'épisode aurait été long, j'aurais peut-être fait une ellipse. Alors, on va monter comme il faut. Et on va retourner sur le centre de communication. J'aurais dû finir la mission. Il y a déjà de ça un bon moment. Voilà. On marche dessus tranquille. Et normalement ici, ça devrait passer zone secrète. C'est pas encore ici. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi que j'ai mal là? Bon, là je comprends par contre parce que c'est bien ici qu'il faut que. Oh là là, mais non, t'es sérieux, mais comment tu fais pour être aussi mauvais, mec? Oh. Ah oui, forcément, ouais. Allez, on va essayer ça. Allez, crève. Bon, attends, déjà on va tuer ceux-là, ils vont me saouler sinon. Ah, j'ai une tourelle aussi. Oh là là là, mais non, mais c'est pas possible. Charger sauvegarde, charger. Oui, mais non, du coup ça sert à rien. C'était bien en bas qu'il fallait aller. C'est pas possible. Ah merde. Je vais prendre la vitesse, je vais les finir là parce que. La mission n'a que trop duré. La mission n'a que trop duré. Il faut que j'aille au centre, on m'a dit que c'était par là. Je commence à le connaître par, à la connaître par cœur, du coup, la map. Vous aussi, j'imagine. Est-ce qu'en allant comme ça, ça va plus vite ou... Ouais, sensiblement. Bon. Là, cette fois, je vais les avoir. Ah ouais, allez, toi, moi, toi, toi. C'est bon? Bon, je vais reprendre parce qu'apparemment c'est pas fini. Ouais, 100%, énorme. Allez, on va l'activer et on part. Toi, t'as quelque chose à me dire? Obéis-moi. Merde. Voilà. Ah bah sûrement, il va falloir que je revienne à mon vaisseau. Bah non, c'est pas fini.
Allez, il y a un checkpoint. Alors, les tanks, les tanks, les tanks. Du coup, là-bas, faut que j'aille dans cette direction. Sauvegarder. Bon, là, désolé les gars, mais je vais pas utiliser poigne. Je vais le faire comme ça. Comme ça, hop là. Ça, c'est fait. Le prochain. Ah, c'est là qu'il était. Bon. Voilà, fini. Donc là-bas, ça veut dire. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Il en manque deux. Bah, du coup, il y en a une là-bas. Et la deuxième, bah, ça va aller. Enfin, normalement, on devrait en avoir une ici. À moins que ce soit pas de compter comme. Eh non, c'est pas compté comme un baril de je sais plus quoi. Hein. Un truc de baril de conteneur de gaz. Ça a quelle gueule ça, cette tête-là? Oh là-bas, alors c'en est une. Et on y accède par là, encore une fois. Ok, par là. Ah, d'accord, les deux sont ici. Voilà, j'accepte ma puissance. Plus qu'un seul. Franchement, tant qu'il n'y a pas de speeder et puis de normalement de gros trous comme ça, je me débrouille plutôt pas mal dans l'émission. Non mais. Oh. D'ailleurs toi. Ah non. Bah ça. Voilà. C'était parfait. Retournez à votre vaisseau, Jaden. File d'ici. Ok. Eh ben on retourne au vaisseau, le vaisseau qui est. Fallait que j'aille au hangar. Allez, on y va en speed, histoire que j'y passe pas 10 ans quand même. Ah voilà, bon, bah encore une fois, hein, je me suis moché, je me suis auto-moché. En voulant faire le kéké, bah c'est pas une bonne idée, hein, manifestement. Vaut mieux que je m'abstienne. C'est le premier, ouais, le premier hangar. Allez, tu peux le faire, Arca. Juste pour le plaisir. Il prend ses dégâts quand même. Et toi, vous aussi, vous allez disparaître. Le mec, ils en vous. Oh, ça m'a l'air un peu bizarre quand même, le mec il a disparu. Et oui, il est décédé. Allez, est-ce qu'il y en a contre qui se battre là ou pas? Voilà. Bon alors, jusqu'à maintenant, normalement les Jedi ils sont. Peut-être c'est parce que j'étais plus petit quand j'ai joué, je sais pas. Je me rappelais qu'ils étaient un peu plus difficiles, un peu plus coriaces quand même que ça. En fin de compte, les. Les plus embêtants, ça reste les petits clones, hein, donc c'est pas très réaliste. Excellent travail, Jaden. Luke avait donc raison. La République envoie des troupes et des vaisseaux pour défendre la plateforme. Merci beaucoup. Les Impériaux n'aideront pas les disciples d'Oragnos de sitôt. Wep. Jaden, j'ai appris que des disciples de Ragnos se trouvaient sur Dagobah. Ils ont détourné l'énergie obscure de la force de la grotte. Ok. Bon, alors on va continuer. Capture du criminel Coruscant. Ah, si c'est celle à laquelle je pense, on n'aura pas droit au sable pour celle-là.
Nous savons de sources anonymes qu'un grand nombre de droïdes assassins sont apparus sur le marché noir ces derniers temps. Ces droïdes sont interdits depuis plusieurs années et aucune entreprise publique n'en construit à présent. Lani Cracto, un petit criminel de Coruscant, est soupçonné d'être le responsable de l'apparition de ces nouveaux droïdes. Capturez Racto pour que l'on trouve où il les fabrique. Ah bah non, en fait, c'est peut-être pas celui-là. Hey Jaden, vous pouvez vous occuper de ça sans problème. Les petites frappes comme Racto sont souvent intimidées par les sabres laser. Ah, tu m'étonnes. Eh ben on va finir de mettre là-dedans et après je pense que je partirai sur de l'éclair. Parce que qu'est-ce qu'on a en bon? On a persuasion. Oui, bon, à la limite. Oh, ouais, non, absorption, ça c'est... Enfin, moi, je sais pas, j'y joue jamais avec. Pas l'habitude, épuisement, voler sans vitale d'une personne, ça peut être pas mal, ça. Et... Protéger contre les dégâts est plus rapide. Ah oui, rage, rage, il est vraiment puissant, ce pouvoir. Peut-être qu'après protection, je partirai, je pense, soit sur rage, soit sur éclair. Parce que de toute façon, tant qu'on est équilibré, comme ça, où on fait du bon, puis du mauvais, ils sont contents, le jeu, et acceptent l'idée. Je vais prendre cela, par contre, si je m'en rappelle bien de la mission, cette fois-ci. Je ne suis pas sûr, donc je vais plutôt taper... Ouais, si, c'est celle-là. Bon, bah, du coup, le truc à onde électromagnétique nous sera plutôt utile comme arme. Bon, en tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît, hein, parce que moi ça me plaît de le faire et bah, j'espère qu'il vous plaît aussi et qu'il n'y a pas trop de fail. Pensiez que vous pourriez débarquer comme ça et me prendre en otage, Jedi ? C'est une solution, tu me diras. Bon, et bien voilà, c'est la fin de l'épisode. Donc je vous dis ciao ciao bande de moches et à la prochaine. A plus.